on est au bon endroit, mais elle n'est pas encore là. J'espère qu'elle va arriver bientôt. Suzy est sûrement en train de mettre le grappin sur Nathaniel. J'imagine qu'un voyage transdimensionnel est assez délicat. Ça pourrait prendre un bout de temps avant qu'elle n'arrive. Des jours, peut-être. Ah. Alors, dans ce cas, je reviens tout de suite. Oh, Iris! Oh, non. Moi, Morgane, j'ai entendu votre prière. Pour vous aider à combattre Gramor, je vais vous enseigner mon sort le plus puissant. Mais où est la troisième princesse? En fait, elle a dû s'absenter un petit instant, mais elle va revenir tout de suite. Ok, ok, alors sinon, c'est sympa la méditation solitaire? Je suis là. Tu veux danser? Avec plaisir. Morgane! Quoi? C'est fou, j'ai vraiment, vraiment très, très soif. Je vais te chercher un peu de jus de fruits. Non, enfin, je vais me débrouiller et je vais chercher de l'eau. Ma fontaine à eau préférée. Je reviens tout de suite. Oh. Qu'est-ce que tu veux, toi? Le sort nécessite le pouvoir des trois. Nous comprenons et je suis certaine qu'Iris va revenir d'une minute à l'autre. Me voilà. J'ai tout juste le temps de vous apprendre mon sort. Êtes-vous prête, princesse? Oui. Attendez. Je ressens que quelqu'un a besoin d'aide. Vous êtes vraiment très forte. Oh non, c'est Suzy. Oh, grande Morgane, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je dois... Ne t'excuse pas, princesse. Tu dois faire ce qui est juste. Merci. Je ne pourrai garder cette fenêtre transdimensionnelle ouverte que pendant une période très limitée. Alors apprenez-nous le sort, et nous, nous l'apprendrons à Iris. Comme vous voulez, mais vous devrez le faire parfaitement, ou cela échouera. Et il se passera quoi si jamais ça échoue? Chaque atome de ton corps implosera en millions de trous noirs subatomiques qui détruiront le moindre petit... Ok, ça va, ça va. C'est bon, j'ai compris. C'est les meilleurs amis.